l'avancée de la mer est un phénomène naturel. C'est récurrent, ça vient toujours. L'essentiel, c'est les mesures que l'État doit prendre pour essayer de préserver davantage le rivage. Et c'est ce qui est en train d'être fait avec la réalisation de ce mur de protection. Il y a d'autres aussi ouvrages qui seront réalisés, puisqu'on va essayer à la suite, en tout cas au lendemain du conseil interministériel qui sera convoqué par M. le Premier ministre, où des mesures fortes seront prises, que des actions puissent être réalisées, donc tenant compte de ces mesures-là. C'est pour dire que l'État a pris à bras le corps, en tout cas tous ces phénomènes naturels, avec le niveau de la mer qui augmente, avec les changements climatiques, tous ces impacts négatifs qui risquent en tout cas de s'abattre au niveau de la langue de Barbarie. C'est un problème que l'État prendra à bras le corps et apporter les solutions structurantes pour que cette partie de la commune de Saint-Louis, cette bande de terre qui protège la commune de Saint-Louis, puisse préserver à jamais. Avec la réalisation donc de la digue de protection, pour un petit peu protéger toute la langue de Barbarie contre l'effet des vagues. Et ces travaux vont commencer dans un mois ou demi, tout au plus.